Un bain de foule impressionnant pour Malik Dominant. La raison de cet enjouement est sa désignation par le parti Bloc Républicain comme le maire de la commune de Djougou. En lui versant de la poudre, ses citoyens lui témoignent leur satisfaction, mais aussi et surtout lui font part de leur vœu de le voir révéler leur ville. Il bascule ainsi de son métier de journaliste à la politique pour la seule ambition d'apporter son expertise au développement de sa commune. Dans la vie, on ne peut pas savoir ce dont l'on est capable si on n'essaie pas. Aujourd'hui, nous nous jetons dans le jeu, on espère que Dieu nous aidera pour que nous puissions avoir des résultats, pour que les populations soient satisfaites de leur choix. Nous estimons que nous venons pour apporter notre contribution au développement du pays. Donc notre engagement, c'est pour le pays, c'est au pays que nous devons allégeance. Nous remercions les responsables du parti, nous remercions les populations de Djougou, nous remercions surtout le président de la République. Parce que vous savez, c'est parce que son management à la tête du pays nous a plu que nous avons accepté d'entrer en politique. Sinon, nous aurions pu le faire plus tôt. Et donc, par rapport à cela, aujourd'hui, je le dis et je le répète. Les défis sont énormes, mais le nouveau maire se dit prêt à les affronter. Les affronter dans l'union des filles et fils de Djougou, mais aussi avec l'ensemble du conseil communal. Le tout premier chantier que nous avons, c'est de nous revoir, aller à l'écoute des populations dans les arrondissements, écouter leurs doléances et leur dire que nous venons en cours de chemin. Est-ce qu'il est possible que nous allions à un collectif budgétaire en tenant compte de leurs priorités, de leurs... Nous allons essayer de voir. Vous savez, quand tout reste à faire, tout est prioritaire. La charge est immense. Aujourd'hui, je ne peux pas dire avec précision ce que nous allons faire, que ce soit l'électrification, que ce soit l'assainissement, que ce soit l'eau, tout est prioritaire. Donc, véritablement, nous allons voir, nous allons nous mettre à la tâche avec le conseil communal et voir comment nous allons hiérarchiser les priorités pour qu'à la fin, les populations puissent, comme le dirait l'autre, nous porter aussi en triomphe. La patience et la persévérance sont les maîtres mots des premières impressions de Malik Dominant. Des mots qui doivent constituer le leitmotiv de ses militants. Parce que ce que nous pourrons réussir, on va les réussir ensemble avec elle. Il faudrait qu'elle puisse accepter de jouer aussi leur partition.